Et on va vous faire quelques reprises ce soir. Et on va commencer par une chanson qui s'appelle Barricades and Brick Walls de Kezi Chambers. I need a family to grow.
Of Pain de, à la base, Sting et de Police, qui a été repris par Alanis Morissette. Et par Florent, la version Alanis Morissette. Voilà. There's a black eye called in a high tree top.
Move On de Jet. Okay.
On va débrancher la guitare qui est ici. Prochaine chanson, c'est une chanson un peu plus connue. C'est Jimmy de Moriarty.
say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, pas vous la dire, je pense que vous allez la deviner. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais par mesure de la musique. Por
said the back hurts. She just as bored as me. She got me off my guard. Amazes me the will of instinct. Even me, and how to see. Take a ride, cut yourself. What's the matter? Leave myself. Got some road, I've been told. Promise you, I've been true. Let me take a ride, cut yourself. What's the matter? Leave myself. Merci. Vous avez reconnu ? Pour un autre couteau. Pas besoin quoi ? Non. La guitare ? Non. Bon. Peut couper le ukulélé ? Je débranche. Et on arrive aux deux dernières. Déjà. And you know that we delay with our love. Where will you be one now? With our love. When this don't keep on turning, and we's gone round and round, and the steel wheels are calling hard for mother. Merci.
et donc la dernière. Call on the street, a radio on the
beaucoup. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Et que la force soit avec vous. Merci. Alors ben voilà, on accueille maintenant le groupe Nucci Family Band. Donc pourquoi ce nom déjà ? Simple question, hein. Simple question. Je reprends celui-là ou celui-là ? Plutôt, on peut prendre sujet. Je peux prendre celui-là. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on s'appelle Nucci et que on s'est inscrit un peu tard pour le formulaire. Et quand il fallait donner un nom, bah, et qu'on n'a pas été foutu dans. Voilà. Simplement pour ça. Ah, merci. Donc vous jouez en famille. Alors ça c'est bien. Et depuis combien de temps vous jouez en famille ? Eh bien, tout a commencé. Qu'on joue tous les trois ensemble, ça fait un an avec Amandine. Ouais. Mais avant, il y a de l'historique. Par vous exemple, étiez dans d'autres groupes ? Non, alors Cédric et Julien, ça fait au moins 10 ans qu'ils jouent ensemble. Depuis dans un autre groupe qui s'appelle Zephyr. Et moi, je me suis mis un peu plus tardivement à la musique, donc je les suis. Ils m'ont accepté dans leur groupe depuis un an. Voilà. D'accord, vous avez commencé tous à quel âge alors ? Enfin, vous, ça fait peut-être pas 10 ans, même avant peut-être ? Pardon, à peu près à l'adolescence, c'est-à-dire vers 15-16 ans, un truc comme ça. Julien peut-être un peu plus tôt, mais voilà, c'est à ces environs-là. D'accord. Et par rapport au répertoire que vous avez joué, vous écoutez aussi autre chose que du rock, ou de la balade ? À la base, en fait, on est assez rock énervé, mais on a voulu se calmer, donc voilà. Grâce à Amandine d'ailleurs, hein, donc on s'est mis à l'acoustique et du coup on s'est adouci, voilà. On a débranché la disto et c'est pas plus mal des fois. Ouais, ça fait du bien à tout le monde ici parce que c'est le premier groupe donc qui a calmé le jeu sur la saturation, les grosses guitares, avoir un petit peu d'acoustique qui fait bien plaisir aux oreilles. Et est-ce que des fois vous auriez des projets d'avenir tous les trois ou aussi avec Zephyr du coup hein ? Bah alors pour tous les trois, on aimerait faire éventuellement, selon les emplois du temps, un petit peu de concert, rester toujours dans le répertoire acoustique. Parce que bah, moi c'est ce qui me plaît énormément et je pense à vous deux aussi voilà, on a une setlist un peu commune, quelques artistes comme ça qu'on a pu faire, Alison Krauss, des choses comme ça qu'on a en commun. Après je sais que par rapport à Zephyr c'est un peu plus Led Zeppelin et choses comme ça et je pense pas que ce soit forcément mis de côté. C'est pas mis de côté mais c'est une toute autre histoire. Le comment, il y a des choses prévues mais d'accord. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors il me semble que pour Zephyr on peut vous suivre sur Facebook ou MySpace, il me semble, non ? Vous avez déjà posté quelque chose, des morceaux ? Ouais, enfin c'est mon Facebook perso quoi. Ah d'accord, ouais. Il n'y a pas de Facebook de groupe vraiment en fait. Ouais, comme donc sur YouTube vous avez déjà posté enfin, ouais, il y a des vidéos sur YouTube mais à part un concert qu'on avait fait avec Zephyr, c'est plutôt des concerts solo que j'avais fait ou des vidéos que j'ai fait tout seul. Enfin, c'est pas vraiment des vidéos de groupe pour le coup, ce qu'il y a sur YouTube. Ouais. Et le nom complet, c'est quoi pour vous retrouver ? Ça doit être le nom de la chaîne. Zephyr Grunger. Zephyr Grunger. C'est pas facile, mais ouais. C'est s'adapter. Hein. Zephyr comme le groupe et grunge comme musique, la musique grunge, mais avec le R à la fin, quoi. Bah c'est plutôt bien. En tout cas, je vous remercie d'être passé nous voir. Merci à vous. D'avoir lâché quelques mots, d'avoir lâché des super morceaux, d'avoir calmé la donne. Et on attend de vous revoir l'année prochaine. Avec grand plaisir, merci. Si je peux juste vous remercier parce que en fait, nous, on vient de loin et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se déplacer. Et grâce à votre télé, on a pas mal de gens qui ont pu suivre sur Internet ce qui se fait. Eh bien, je te remercie. Je remercie. Bravo à SVTV. Voilà. Bravo. Ouais, bon, bah. Vous voulez peut-être une interview, donc voilà, la SVTV est une chaîne bénévole. David Bon. Et ça a commencé quand ? Quand est-ce que vous avez commencé ? La SVTV a commencé ? Alors la SVTV, ça a commencé en 2011, avec donc les trois premiers participants qui sont Rémi, Frédéric et moi-même. Et on a rassemblé... Bonjour Rémi ! Voilà, voilà, Fred il se cache. Ah non, Fred il est à la platine. Voilà, donc il fait tout ça. On essaie de faire ça proprement et puis... J'espère que on aura l'occasion de vous refilmer. Ah bah avec grand plaisir. Ça marche. En tout cas, merci pour tout, merci pour votre musique. Merci. À la prochaine.
Cette émission est diffusée sur Internet grâce à Studio Sud, studio d'enregistrement et de répétition basé à Villebon-sur-Yvette. Pour plus de renseignements, le 01 60 14 40.